Bonjour à tous, c'est John Jodan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, on continue l'émission Goku Rush GT, il en reste deux, la mission Univers 7 et la mission Corrosion, Corps Esprit Corrompu, enfin la catégorie de Janabatech. Alors il y aura deux vidéos sur la catégorie Univers 7 parce qu'il y aura la version globale, c'est cette vidéo, et il y aura la version Jap qui est très différente parce que, bah, comme vous le savez, il y a toutes les unités de l'anniversaire et ça devient beaucoup, beaucoup plus facile. Et vous allez vous en rendre compte dans la vidéo dédiée à la Jap, hein, mais du coup ça arrivera certainement demain. Aujourd'hui on va s'occuper de la globale et c'est clairement le plus intéressant dans le sens où c'est peut-être la mission la plus difficile qu'on ait sur la globale parce que bah, on n'a pas toutes les cartes de l'anniversaire et du coup c'est très dur. C'est extrêmement compliqué, donc concrètement les amis, pour la plupart d'entre vous, ne vous prenez pas la tête et attendez l'anniversaire, ce sera beaucoup plus simple, même si vous ne droppez pas Vegeta. D'ailleurs, Migaté ici, mais j'en reparlerai dans la vidéo dédiée à la Jap, et pas forcément ultra pertinent, mais ça se joue quand même, hein, jusqu'à la fin, faut faire gaffe. Mais voilà, vous allez prendre un Vegeta en ami, il y a aussi les UT free to play qui peuvent être joués, enfin, pour la plupart d'entre vous, si vous n'y arrivez pas, après ce que je vais vous dire là, au cas où peut-être essayer, laissez tomber, attendez l'anniversaire pour 5 DS, vraiment, ne vous prenez pas trop la tête. Alors, j'ai utilisé cette team, alors on va être très clair tout de suite, en fait cette mission, presque tout va dépendre de l'active skill de Jubai. Vous connaissez bien sûr l'active skill de Jubai, l'idée c'est de faire stacker le personnage et à la fin tu balances l'active skill et tu vas taper très fort. Alors non, on peut pas one shot hein, avec Jubai parce que le boss a plus de PV que dans le Goku Rush normal et il résiste mieux. Mais tu peux lui retirer quand même beaucoup de PV. Hein. Franchement, je sais pas trop jusqu'à combien on peut lui retirer, honnêtement. Mais disons que si tu joues deux Jubai, et ça va être ça l'intérêt, c'est que tu peux le two-shot. Normalement, tu peux le two-shot sans trop de problèmes. Donc ça va être ça qui va être décisif. Alors vous allez voir dans le gameplay qui arrive juste après, on va le finir avec l'active skill. Mais on lui avait retiré déjà beaucoup de PV parce qu'on va avoir vraiment pas de chance. C'est-à-dire que à la fin, on va vouloir perdre des PV pour aller chercher l'active skill et on n'arrivera pas à perdre des PV, ça va être vraiment infernal. Alors qu'on aurait réussi bien plus facilement si on avait perdu à cette PV au préalable. Mais vous allez bien comprendre quand vous allez voir le gameplay. Alors je vais maintenant vous parler d'une astuce, les amis, que je ne connaissais pas il y a quelques jours, hein, avant de faire les missions Goku Rush GT. C'est-à-dire le fait que quand vous allez faire l'active skill de Jubai, eh bien, vous avez une chance de crit à chaque position. C'est-à-dire que si vous faites votre active skill, admettons vous avez mis Jubai en deuxième position, eh bien vous pouvez relancer le jeu, le mettre en première ou en troisième et voir si ça fait un critique. Et le critique ici est totalement décisif, hein, je vous le dis tout de suite, ça n'a rien à voir, limite c'est du simple au double. Donc, bah voilà, il y a cette solution, alors c'est totalement légit, hein, le jeu permet de le faire, hein, il n'y a pas de mode ou je sais pas quoi, hein, il n'y a pas de problème avec ça. Alors clairement, c'est le genre de truc que je ne ferai pas habituellement, mais là, la mission est tellement abominable. Il faut le dire quand même, là c'est tellement horrible comme mission que clairement t'as pas envie de recommencer pour un critique. Donc en gros, pour ceux qui veulent tenter, hein, parce qu'il y en a ils vont simplement attendre l'anniversaire, comme tout dépend de Jubai, eh bien bah, vous faites comme vous voulez, vous faites ou ne faites pas, mais concrètement, si ça se joue qu'à ça, bah voilà, vous tentez la première position, si ça marche pas vous tentez la deuxième, si ça marche pas vous tentez la troisième. Et vous pouvez même aussi faire un truc, c'est-à-dire que vous mettez Jubai deuxième, enfin admettons deuxième position, le premier perso, vous prenez des ki, et pareil, le résultat sera pas le même. C'est-à-dire que c'est une autre situation, et du coup, le jeu va recalculer vos chances de crit, et tenter le coup, et ça va peut-être mettre un critique. Donc vous allez voir, à la fin du gameplay, on a relancé, je sais plus, 3-4 fois, je sais plus trop. Et je vous laisse le chat à gauche, et le chat était en feu. On était là, Genkidama, parce que Bisgoku fait un Genkidama, en mode faut que ça passe, parce que si t'as pas de chance et qu'à chaque fois ça crit pas, bah t'es mort, hein, enfin t'es mort. Tu mettras pas de crit, et là vous allez voir que le crit fait totalement la différence, hein, donc voilà, c'est vous qui voyez, si vous l'utilisez, utilisez pas, enfin bref, vous faites comme vous voulez, mais franchement là c'est tellement horrible que j'ai envie de dire, il n'y a pas vraiment à se gêner pour le coup, au pire vous attendez l'anniversaire et ça se fera beaucoup plus facilement. Voilà, alors au niveau de la team, ce qu'on peut dire d'autre, hein, c'est que Goku Freezer, sans son ZLR, bien sûr, est beaucoup moins impressionnant, même si ça va, il fait le taf, Migaté, bien sûr. Quand il n'a pas la flemme d'esquiver, évidemment, est très bon. Hein. Une fois maxé, ça fait très mal. Le Jubai Evo LR, impressionnant. Hein. J'avais pas fait le test lien 10, mais là, vous avez déjà un bon aperçu de ce que donne le personnage. Et clairement, vous allez voir qu'à la fin, si on avait pu prendre l'active kill de Jubai Evo, justement, on aurait terminé bien plus facilement. Mais on n'a vraiment pas eu de chance.
Bon, même si au final, ça va. Le Freezer, bah, il stack la def à l'infini, hein, donc forcément, c'est plutôt pas mal. Et C17, voilà, c'est un peu chaud le dernier slot. Hein, certains jouent C18. Certains jouent aussi la rotation C18 Krillin, on va le revoir après. Mais C17, bah, il donne de la def à tout le monde. Alors, le truc, c'est quand il a pas sa réduque, il se fait exploser la gueule. Mais s'il a sa réduque, il se débrouille bien et il donne de la def à tout le monde. Donc ça, bah, c'est quand même assez pratique. Hein, 60% def, du ki, on dit pas non. Alors, au niveau des autres unités, ça va aller très très vite, hein, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Hein. Sur la globale, on a très peu de solutions. Donc, Goku Freezer, on en a parlé. Ok, alors en tant que leader... Alors, le mieux, c'est de prendre un Jubai en ami. Hein. Tu prends un Jubai en ami, et tu prends le tien si t'en as un. Comme ça, à la fin, potentiellement, tu balances deux active skills, et ciao, c'est réglé. Donc, bon, après, vous faites comme vous pouvez, mais... Bon, Goku Freezer, donc oui, quand même, hein, bien sûr, en tant que leader, ça peut être sympa. Migaté, bien sûr, le Goku Végétable, bien sûr. Végéta Evolution... Ah, c'est chaud, hein. C'est vraiment chaud parce que Vegeta Evolution au début ça va être sympa parce que là Ozaru, mais après il va pas monter très haut en def et à la fin il va se faire exploser la gueule, donc c'est chaud. Jubai, d'une manière générale c'est mort, hein. Jubai agit, il perd son, enfin il perd ses stats, non vraiment c'est pas un bon plan. Feedboost ça va dans le sens où au début du combat il va être très très bon, après il conserve des stats corrects, donc en vrai ça va, mais à la fin faites attention. Bon, Goku, ici, c'est nul. Krillin, si vous jouez avec C18, ok. La Rota Krillin C18, elle se joue. Donc C18, bon, bah voilà. C17, c'est même pas la peine. Migaté, tant qu'il n'est pas ZTR, c'est pas la peine. Par contre, vous allez voir, sur la game, Jap, Univers 7, mais vous allez voir le braquage, les gars, c'est indécent, vraiment. Bon, et puis après, bah, il n'y a plus grand-chose. Hein. Golden, non. Jubai, bien sûr, ici, oui. C17, ça peut se jouer. Et Golden, évidemment, Transfo. Ok, mais voilà, vous voyez, enfin, il n'y a quasiment aucune option. Donc c'est pour ça que là, franchement, sans gêne, hein, pour relancer le critique, bon, je pense que là, c'est vraiment trop compliqué pour se priver de ça, c'est vraiment trop dur. Bon, ou alors, il suffit d'attendre, hein, tout simplement, et à l'anniversaire, ce sera beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple. Donc c'est parti les amis, sur ce, on y va avec le gameplay. Mouais. Pourquoi Gontek n'est pas dans la catégorie Potala? Bah peut-être parce que c'est pas une fusion. Mais en même temps, c'est vrai que certains persos pas fusionnés sont dedans, donc ce que je viens de dire n'a aucun sens. Non, mais disons que... Gohan, il a... En fait, d'ailleurs, on dit ça, mais Gohan, on sait même pas s'il a des Potala. Parce que c'est qu'un costume, en fait, que Kibito lui donne, on va dire. On sait même pas s'il a des Potala. C'est-à-dire que, est-ce que s'il avait retiré sa Potala, est-ce que ça allait marcher, ou est-ce que c'est juste de la décoration? La catégorie Potala, c'est soit les persos réellement fusionnés avec des vrais Potala, soit c'est des personnes qui ont des vrais Potala. Mais Gohan, c'était juste un costume, on va dire. Bon, après, il aurait pu le mettre, pour demander à Bandai. Mais bon, en vrai, c'est plus un costume qu'autre chose, quoi. Ouais, ouais, Zamasu. C'est vrai que si je prends l'aspect, je vais activer le passif. Bon, ce qui est bien avec cette catégorie, c'est que même si on perd, en fait, on va vite, parce qu'on tape très fort, donc on peut recommencer et aller vite. Parce que imaginez, corps et esprit corrompu, quand on recommence, on est parti pour 1h30. Enfin, 1h, tu vois, genre, alors que là, bon, ça trace. Donc, c'est moins... Voilà, c'est moins chiant, on va dire, quand même, à retenter, quoi. Ah ouais, en vrai, c'est aussi le moment de Jubai. Parce qu'en vrai, ouais. Et vaut mieux que je fasse... Parce que Migaté, il peut esquiver partout, alors que Jubai... Faut qu'il encaisse. Donc on va laisser Jubai encaisser. C'est un peu plus... Parce qu'après, Jubai, pour encaisser, laisse tomber, quoi. Donc c'est pas plus mal. Allez, l'aspect direct pour me faire perdre de la défense. Ah non, il débuffe pas encore lui. Ah, c'est après. Allez, Migaté. Allez, Freezer qui prend son stack. Bon, de toute façon, là, on retente une fois, voire deux si on perd très vite, et puis après, on va passer à la passion. Hein.
Ah ouais. Donc là, on a le passif, en fait. Bah, faut que je me régène. Ouais, bah si c'est bon, je me régène. Hop, j'ai plus l'active skill. Ok, c'est bon. Bon, on va faire comme ça, let's go. Allez, je vous baille. Bah, je suis pas sûr qu'il soit mort, en vrai. Bon, avec un critique, ok, ça aide bien, mais en même temps, ça m'arrange pas trop parce que je voulais encaisser des attaques. Hein. Mais bon. Alors là, on revit un moment. On revit le même moment qu'il y a pas très longtemps. C'est-à-dire que bah, Migaté peut faire le taf et stacker son passif grâce à son esquive. Mais si Migaté a la flemme, bah, on est mort. On revit à peu près le même schéma à chaque fois. Là. C'est tout pareil, c'est la même chose. Allez Migaté, vas-y, fais-nous rêver, vas-y, commence à pas esquiver, espèce d'enfoiré. Vas-y. Allez là, arrête de ma gueule là, s'il te plaît là. Esquive. Esquive, vraiment. Ok, je préfère ça. Oh non, on a le passif. Putain, que dalle, bah tant pis. De toute façon, on va garder le passif, c'est vraiment trop compliqué, hein. Vraiment, c'est un bordel, hein. C'est un bordel de garder le passif. Hein. Enfin, faut rester au-dessus de 59 constamment. Enfin, je veux dire, c'est. Tant pis, c'est pas grave. Ouais. On essaie de le garder si on peut, mais en vrai, c'est hardcore. Hein. Bon, là, il faudrait qu'on tue très vite parce que j'ai pas envie de manger l'aspect, tu vois. Peu spé partout. Hein. SP absolument partout. Bon, j'ai régène là, je perds pas le passif, sauf s'il me met trop de dégâts avant, mais. Allez, tue-le. Enfin, faudrait le tuer, ouais. Faudrait. Vas-y, tue-le. Ok. Ouais, on sait pas où il va SP, donc. Hein. Je peux pas trop savoir en vrai là. On va y aller un peu à l'aveugle. Bon, s'il me spé Goku Freezer, on va pas kiffer du tout, mais. Yaté esquive, mon frérot. C'est bien, tu commences à comprendre, c'est bien. C'est bien, Migaté, tu commences à comprendre la leçon. C'est cool. Allez, bim. Par contre, j'allais dire, ouais, calme-toi. Putain, mais à chaque fois qu'on arrive à la phase endurance, il pète un câble. Sauf qu'en fait, je veux pas, parce que je veux pas avancer trop vite. Et là, on va le démonter, quoi. On va le démonter, et moi, je voulais stacker avec l'autre derrière. Stop. Mais stop, putain, comme par hasard, c'est là qu'ils font n'importe quoi. Non, mais non, après, je vous jure, ça rend ouf, ça. Allez, attaque additionnelle de tout ce que tu veux, alors que... Non, tu vois, j'en veux pas, là, tu vois, mais... Et là, forcément, on y va, allez, attaque additionnelle partout, quoi. C'est un délire, quoi. Comme par hasard, là, c'est le festival, quoi. C'est incroyable. Alors que là, on veut tempo, tu vois, mais... On va mettre la princesse, mais on espère vraiment que... Le Kirk-en-Ciel... Trois Kirk-en-Ciel... Quatre Kirk-en-Ciel, je crois que c'est 3 max, non, le délire. Bon, de toute façon, on va prendre ça. Bon, il faudrait qu'on garde le Dokkan Mode. En fait, là, il faudrait qu'on détruise l'Ozaru. Concrètement, il faut détruire l'Ozaru. Et derrière, comme tout à l'heure, Dokkan Mode avec bah, soit Migaté, soit du bail Evo LR sur le SCJ4. Là, par contre, on fait pas d'attaque additionnelle. Hein. Bizarrement, pas de critique, pas d'attaque additionnelle, hein, évidemment. Ah là, non. Par contre, quand c'est pour taper sur l'endurance, hein, on s'en tape. Ah là, il y a du monde. Allez, les autos. Là, les autos, elles peuvent piquer un petit peu. Allez, ouais, petite auto. Aspect. Putain, même pas de spé avec toutes ces autos, quoi. Si
C'est Lissette qui veut participer. Vas-y, fais l'aspect si tu veux, vas-y. Vas-y, fais l'aspect. Pas d'attaque SP. Bah, il a pas SP tour d'avant, ouais, mais il y a qu'une seule attaque, quoi, donc. Bon, tant pis, on va. Attends, qu'est-ce que je vous dis là, on n'a pas le choix. Je crois que j'ai le Dokkamode au prochain tour obligatoire. Je crois que j'ai tout juste le Dokkamode au prochain tour. Hein. Ouais. Bon, bah, si on kill pas, c'est fini, quoi, la game est finie. Hein. Si on kill pas, la game est finie, en fait, parce qu'après, on a le Dokkamode qui va servir à rien du tout. Faut qu'on tue. Si on tue pas, c'est mort, quoi. Ouais, non, mais. Faut qu'on tue. Mais là. Allez, Migaté, tu veux pas me faire de l'attaque additionnelle, Migaté, là? Cette fois-ci, tu vois. Ah bah non, bah même pas de critique cette fois-ci, évidemment. Ah non. Ah non, bah non. Mais l'aspect qui tombe pas, qui va tomber sur. Non, mais. Qu'est-ce que c'est que ce game? Allez, 2% spé. Ouais, mais bon, là, on est encore dans la sauce. On est encore dans la sauce. Ici, je peux garder le Dokkamode sur ce tour, mais... Tout juste, je le garde, mais... Mais bon. Ouais, on a déjà cramé deux items. Putain, toujours pas de spé, mais c'est... En vrai, cette game, c'est la game du troll, hein, vraiment. C'est la game du troll. Hein. Oh bah, il a pas kill. Il a même pas kill. Même pas de spé encore, non mais... Bon, après, on aurait pu ultra cher en auto, hein, si j'avais pas mis d'item, mais... Putain, qu'est-ce que c'est que ce troll, encore? Zéro spé. Ouais, au moins c'est 17, il a l'avantage là, mais... Bon bah là... Ben, on y va, hein, puis il vienne que pour un, hein, parce que... Ouais, bah tu me diras si je perds... Ouais, je sais pas. Ouais, non, mais de toute façon, là... Si je pense, on va faire ça. Hein. Bah si, de toute façon, on y va, là, on y va, et puis si on perd des PV, bah... Y a... Bon, tu vois, il y a quand même 200k grâce à ces 17, donc... Après, le Dokkan nous régène. Ok... J'aimerais laisser des kirk-en-ciel là pour après, mais la tour est pas fameux. Bon, allez, on y va, let's go. Migaté, tu esquives, hein, évidemment. Enfin, si NSP, tu esquives. Ah, il a l'air motivé, hein, pour esquiver Migaté. Hein. Il a l'air très très motivé. Zéro esquive sur 3 autos. Ah, quand même. Bon, ça va dans ces cas-là. Moi, ça me va. Hein. Bah, d'un côté, ça me va, mais en même temps. Ouais, non, mais attends. En fait, c'est le même cas que tout à l'heure, c'est-à-dire que. Même si j'ai perdu des PV, de toute façon, je vais me régénérer derrière, donc l'active skill de Joe LR, c'est foutu. Mes prochaines rotas, elle est pas mal, la prochaine rota. Il y a juste Dubaï, mais le reste, il y a Freezer qui a l'avantage. Il y a le LR qui peut le défoncer, quoi, donc... On va tenter jusqu'au bout cette game. Pas de critique. Putain, c'est pas les mêmes dégâts que tout à l'heure. Hein. Ah ouais, c'est du simple au double. C'est pas les mêmes dégâts. Hein. En même temps, on en a... Allez, le critique. Pas de critique. La double attaque. Allez, le critique. Allez. Tout à l'heure, tu faisais des attaques additionnelles, ça servait à rien. Donc là, maintenant, vas-y. Crit. Allez, c'est 17 qui va participer un peu aux dégâts comme il peut. Hein, mais... Allez, vas-y, c'est 17, c'est 17. Oui, c'est 17. C'est 17 qui veut gratter les PV. Il est mignon, hein, franchement. Il est mignon, c'est 17. Il est mignon. Il est très très mignon, je trouve. Bon, là par contre. Oh, ça va. Franchement, ça va. Hein. 24 sans passif. Alors là, le LR peut le détruire. Là, le LR peut le détruire, mais il peut aussi me détruire s'il me spé Jubaï, hein, évidemment. Et derrière, en plus, on a Goku Freezer derrière. Hmm. Ouais. Bon, allez, tant pis, on va tenter comme ça. De toute façon, on en a. On n'a pas trop d'options, malheureusement. Là, c'est. C'est un peu la merde. Vas-y, nique. C'est bon.
Allez, c'est bon, 7% d'esquive, il m'esquive la plus grosse attaque. Vas-y, mais c'est n'importe quoi, c'est abusé. Il serait mort, il serait mort. En vrai, il serait mort. Sans déconner, hein. Je pense que là, on l'aurait tué. Bon, au moins ça pour me consoler, mais... Putain, mais arrêtez, mettez pas d'esquive, c'est abominable. Même quand tu fais bien ton setup, après, tu te prends ça dans la tronche, quoi. C'est dégueulasse. Putain, c'est dégueulasse, en vrai. Vraiment, Jack, il y a de la RNG, c'est une chose, mais là, c'est trop, vraiment, c'est trop de faire ça. Hein. Putain, bon, on va mettre le Whis, hein. On va mettre le Whis, là, par contre. Alors là, par contre, on a un peu de chance, quand même, dans notre malheur, quand même. Là, on va mettre le Whis, je pense. Bah oui, je pense, c'est même sûr, parce que Juba, sinon, c'est la fin. En fait, c'est la merde, quand même. Comme d'hab. Bon, on va mettre le Whis en vrai, parce que là, y a... en fait, la mort là est quasi certaine, à part si Migaté esquive, mais... Mais s'il esquive pas, on est mort, en fait. On est mort direct. On va mettre le Whis et on va voir. De toute façon, il n'y a pas... c'est compliqué, hein. Le problème, c'est qu'il faut qu'on perde des PV, mais pas trop. Sauf que c'est pas évident, ça. Il faut que... Ah, évidemment. Évidemment, Migaté, l'aspect additionnel, forcément, c'est quand on l'attend pas, tu vois. En même temps, on peut pas deviner, hein, mais... Évidemment que là, Migaté se surpasse. Évidemment. Bah, Migaté se surpasse à chaque fois qu'on s'en bat les couilles, quoi. Bah ouais, l'item reste actif, donc en vrai, c'est cool quand même, mais... Mais le mec, il se surpasse à chaque fois que, tu sais, j'en ai rien à foutre, en fait, tu vois. C'est incroyable. Il se fout de ma gueule. Bon, alors, ici... Allez, on y va comme ça. On y va comme ça, les gars, il y a moyen de faire un truc. Bon, après, l'autre va prendre 50 à chaque fois, mais... On a quoi, après? En vrai, la rota d'après est pas mal, hein. Elle est pas trop mal. Allez, c'est parti. Il faut qu'on perde des PV, mais pas trop. Donc, il faudrait qu'on mange une spé bah, sur Jubai, ça serait pas si mal, en vrai, hein. Sur Jubai, ça serait pas mal, hein. Ouais, qu'on prenne l'aspect sur Jubai, en fait, là. Ouais. Putain, pas d'additionnel, pas de spé. Parce que là, sur les autres, on prend 0, en fait. Allez, le LR, en vrai, il peut faire un taf de ouf, hein. Il peut vraiment taper très fort, hein, s'il fait plusieurs spé. Et des critiques, j'allais dire, mais bon, là, non. Allez, encore du critique, frérot. Sinon, ça tape pas. Ah, c'est tout. Bon bah l'aspect veut pas tomber, sauf que c'est 17, il va prendre 0. Hein, parce qu'il a 40 plus le Whis, donc il va prendre 0. Hein. Presque 0. Donc l'active skill marchera pas. Je pense pas qu'on prend grand chose là. Hein. Que dalle en vrai. Hein. Ouais, 50k, ouais, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, les gars. C'est clairement pas suffisant. Il a que 200 freezer, c'est pas beaucoup. Hein. Est-ce qu'on le transformerait pas? Parce qu'on aura plus de stats de façon là. Parce que s'il me met du crit, ça va piquer. Hein. Bon, 226, sachant qu'il prend 80 en plus. C'est pas mal quand même. 400 KDF, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, on y va, il faut qu'on perde un peu de PV. Il faudrait qu'on mange l'aspect sur Jubai, en vrai. Sur Migaté, on prend quand même des dégâts, je pense, mais... Parce que là, si on perd pas assez de PV, ça va être le troll, hein, vraiment. Parce que là, si on la prend sur Golden, à mon avis, c'est 0. Hein. On mange l'aspect, putain, mais c'est horrible, on n'arrive pas à perdre de PV. Le problème, c'est que sous item, on perd pas assez de PV, et si on met pas d'item, on est mort, quoi, donc... Jubai, faut critique. Pas de critique, hein. On avance pas sans critique. Hein. Putain, ça se paie pas. Hein. Ça se paie pas. Hein. C'est un truc de ouf. Hein. Et là, il se paie pas. Alors qu'on veut la bouffer, mais y a pas moyen. Y a pas moyen.
Mais c'est même pas de SP quoi, putain, mais. C'est incroyable. En plus, avec l'active skill. En plus, le truc, c'est que si on avait réussi à faire l'active skill là, c'était la fête. Parce qu'on faisait, enfin, on faisait la totale là, c'était le festival. On allait avoir des buffs de partout et ça allait passer, on aurait sûrement tué. Et là. Là, on est. Ouais. Allez, l'aspect devant, là, bah là on va perdre assez de PV, mais on va même en perdre trop, j'ai envie de dire que. Là on va limite en perdre trop quoi. Ouais, ouais. 237, 237, là c'est trop, tu vois, il ne nous reste plus rien quoi. Ouais, il nous reste 140 000 PV. Là c'est trop, tu vois. Là c'est trop. Il est à peine midlife. Juba, il avait encore son passif. Hein. Si on a, non mais en vrai, là, si on a vu les bons setups en PV, on était bon. Hein. Putain, on était bon. Hein. Il avait encore son passif, Juba. Hein. On était bon. Et on a, comme l'aspect n'est pas venu. Putain, c'est incroyable. Hein. On était bon. Ça le pire. Hein. On était bon. On était bon. Alors là, on a l'active skill de Juba ici, mais il a perdu son passif dans le combat, donc bon, ça a quand même piqué, je pense, hein, mais. Bon les amis, let's go, let's go, premier essai. Voyez l'énergie, on envoie l'énergie, on envoie l'énergie. Kaioken, oui, si tu veux. Là, non, pas de critique. On recommence. On recommence. Oui. Prends ton crit, prends ton crit là, tu fais chier. Mais c'est sérieux, mais c'est. On y va, let's go. Imagine il crit pas, crit pas. Ah j'avoue c'est là que t'appuies sur annuler, tu vois quoi. Mais crit, qu'est-ce que tu fais là? Mais Kaioken, oui. Non mais. Non mais attendez, c'est pas possible. Bon alors là du coup genre je prends les keys et après je le fais quoi. J'ai jamais fait ça. Jamais relancé pour tenter des coups comme ça. Ah ouais, quand même, 10 millions. Ah ouais, c'est pas la même, hein. Putain, waouh. Waouh, let's go. Oh là, les gars, quelle soirée, quelle soirée. Quelle soirée. Aïe, 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 aïe. Elle était pas gagnée, cette game, hein. Elle était pas gagnée, hein, mais. Aïe, 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 aïe.